Un titre de séjour, c'est quoi? Le titre de séjour est un document officiel. Il autorise les personnes étrangères majeures à vivre en France, en général pendant un an. Cette demande est à préparer avant tes 18 ans. Si tu es mineur et sous tutelle du département, et que tu as été accueilli avant tes 16 ans, tu pourras demander une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale. Cette carte t'autorisera à faire des études ou travailler après tes 18 ans. Dans certaines situations exceptionnelles, ce titre de séjour vie privée et familiale peut aussi être accordé sans condition d'âge. N'hésite pas à en parler avec ton référent. Si tu as été accueilli entre 16 et 18 ans, pour obtenir une carte de séjour, tu devras prouver que tu es en formation professionnelle depuis au moins 6 mois. Dans tous les cas, tu dois montrer que tu es motivé pour t'intégrer en France, par exemple en apprenant la langue française. Tu dois aussi respecter la loi française et ne pas avoir commis de vol ou de violence, par exemple. Comment faire une demande de titre de séjour? La demande d'un titre de séjour se fait auprès de la préfecture. Suivant ton pays d'origine et ta situation, âge, travail, famille, tu peux faire une partie de tes démarches sur Internet. Le titre de séjour est payant, de 25 à 225 euros suivant ta situation. La demande de titre de séjour ou son renouvellement sont compliqués. Ton référent est là pour t'accompagner dans cette démarche. La CIMADE et d'autres associations spécialisées pourront aussi t'aider. Tu trouveras les contacts juste en dessous. Attention, les délais d'attente pour un titre de séjour sont longs. Cela peut prendre plusieurs mois. Pour renouveler ton titre de séjour, il faut en faire la demande au plus tard 2 mois avant que le premier titre ne soit plus valable. Pense à le faire très en avance. Le renouvellement du titre de séjour est aussi payant.